Si vous parlez littérature avec Bernard Minier, vous serez surpris de l'étendue de ses connaissances et de l'éclectisme de ses lectures. Depuis tout gamin, Bernard Minier dévore les livres. Et à 8 ans, écoutant sa maîtresse lire à haute voix Robinson Crusoe, il décide d'être écrivain. Comme son héros, il va partir à l'aventure, explorant toutes les littératures, cherchant sa voie, bourlinguant et voyageant. En 1984, il débarque à Paris, s'achète une conduite et devient fonctionnaire. Mais il y a toujours la lecture et l'écriture avec déjà des dizaines de manuscrits dans les tiroirs. Et puis ce rêve de gamin à assouvir, je veux être écrivain. Y consacrant tout son temps libre, Bernard Minier travaille à son nouveau projet, partant d'une idée. Un matin de décembre, dans une vallée des Pyrénées, on découvre le cadavre d'un cheval sans tête accroché à la falaise. Pour mener l'enquête, Minier invente le commandant Servaz, flic un peu paumé, mais tellement attachant. Le livre paraît en 2011 et Glacé, c'est le titre, devient rapidement un livre phénomène. Primé à de nombreuses reprises, traduit en de nombreuses langues, l'ouvrage est même adapté pour la télévision. Avec ce titre, Glacé, Bernard Minier apparaît désormais dans le classement des 100 meilleurs romans policiers mondiaux depuis 1945, selon le Sunday Times. Au fil du temps, le succès de Bernard Minier ne s'est pas démenti, preuve encore avec le démarrage fulgurant en librairie de son septième titre, M, le bord de l'abîme. Délaissant les Pyrénées où il place plusieurs de ses intrigues et accordant quelques vacances au commandant Servaz, personnage récurrent de plusieurs de ses précédents livres, Bernard Minier entraîne cette fois-ci son lecteur à Hong Kong où Moira, une jeune Française, prend son poste chez Ming, une énorme société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Mais très vite, la jeune femme va comprendre qu'il se passe des choses étranges. Pourquoi Moira a-t-elle été embauchée? Est-ce uniquement pour ses compétences professionnelles? Pourquoi est-elle abordée dès le premier soir par la police locale? Pourquoi ses collègues semblent-ils cacher autant de secrets? Pourquoi se sent-elle en permanence suivie et espionnée? Et pourquoi tous ces accidents et ces suicides autour d'elle? Jusqu'où ira le cauchemar? Dans un univers oppressant à souhait, jouant avec nos nerfs à chaque page, Bernard Minier tisse sa toile avec maestria. La description de Hong Kong est magistrale, l'évocation de notre époque actuelle et l'invasion des nouvelles technologies dans notre quotidien fait froid dans le dos. Quant à l'écriture et au style, Bernard Minier prouve une fois de plus que l'on peut être auteur de romans noirs et avoir une vraie plume. M, le bord de l'abîme, c'est le nouveau titre de Bernard Minier et le livre est publié chez Xo.